Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Bien, nous y sommes. Donc, j'ai la parole. C'est bien moi, José Ménébert, initiateur du courant de la fédéralitude. Un petit mot, un avant-propos dans cette conférence sur la politique, très rapide. Donc, je disais que tout le monde est concerné par la politique. La politique n'est rien d'autre que l'art de gérer la cité. Pour pouvoir gérer, il faut une culture minimale. Ça, c'est une règle générale. Par contre, l'absence de culture politique produit toujours de la cacophonie et une incapacité à construire les choses. Bon, comme toute chose s'apprend, je voulais, dans cet exposé, rappeler des petites bases avant d'entrer dans des choses très concrètes. Nous allons parler aujourd'hui là de l'État du Congo. Mais qu'est-ce que l'État? L'État se définit par ces trois caractéristiques, hein, PTS, la population, P comme population, T comme territoire et S comme souveraineté. Alors, je passe, puisque je ne veux pas alourdir l'exposé, vous avez tous ces éléments, la population congolaise, voici la composition ethnique du Congo. Vous voyez, c'est un pays vraiment multi-ethnique, la population, les voisins, la superficie, la situation, les différents départements, vous les connaissez. Le Congo, État souverain, tout ça, l'article 1 de la Constitution le dit. Il a été admis le 15 août 1960 à l'ONU. Et on entre tout de suite dans la fédéralité. Au besoin, je pourrais revenir sur les slides passés, les précédents. Mais pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire ce petit travail au départ? Parce que ce sont les bases. Lorsqu'on parle d'un État, il y a des éléments importants à retenir. Hein, c'est la population, le territoire et la souveraineté. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, là, c'est vrai. Très bien. Donc, avant de développer, puisque je vous ai dit que c'était de la fédéralitude, qu'est-ce que c'est que la fédéralitude? C'est un courant de pensée humaniste. Elle s'intéresse à l'organisation des sociétés caractérisée par la diversité, diversité culturelle, ethnique, linguistique. Elle tient donc compte des différentes facettes qui constituent l'être humain, la psychologie, la sociologie, la culture, la langue. Elle préconise une organisation territoriale, d'où le terme fédéralitude, fédérale, donc une organisation territoriale fédérale, assortie, c'est là l'innovation, assortie d'un régime politique directorial et d'une démocratie favorable à l'épanouissement économique, individuel et collectif. En résumé, la fédéralitude promeut la gouvernance bienveillante comme solution pour la paix et la prospérité des nations. Tous les mots qui sont là ont chacun sa valeur. Donc, la fédéralitude repose sur quatre principes que je ne vais pas développer, je développe habituellement de manière théorique, puisque David m'a dit d'aller dans des choses plutôt pratiques. Mais il est important quand même de savoir que nous avons assis ce courant de pensée sur quatre principes. Le premier, c'est le fédéralisme et la subsidiarité. Le deuxième, c'est le gouvernement collégial et la présidence tournante. Le troisième, c'est la démocratie directe et participative. Le quatrième, qui sécurise le tout, c'est une défense assurée par le peuple. Le pays dans lequel ces quatre principes ont le mieux porté leurs fruits depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, puisque c'est un pays qui a plus de 7 siècles, c'est la Suisse. C'est dans ce pays que ces quatre principes ont le plus montré en quoi les principes de la fédéralitude peuvent être source de paix et de prospérité durable pour les nations. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, après avoir donné cette définition de la fédéralitude, vous comprenez que le Congo
entre totalement dans le cadre typique des pays culturels qui intéressent ce courant de pensée. C'est un pays multiethnique, c'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, mais c'est un pays qui souffre aujourd'hui des maux qu'a rappelé David Londi, c'est-à-dire des coups d'État, l'instabilité institutionnelle, la contestation du pouvoir, il y a beaucoup d'éléments. Donc, c'est dans ce type de pays justement que la fédéralitude est le plus nécessaire. Commençons par entrer dans les bases du Congo. Hein, je vous ai dit que un État se définissait par sa population, son territoire et sa souveraineté. Comment le Congo se définit-il? Alors, un pays se définit dans son acte fondateur qui est la Constitution. Donc, la Constitution de la République du Congo est la loi de la République du Congo, c'est la loi fondamentale de la République du Congo. En l'occurrence, ici, je me réfère à celle qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2015 après sa promulgation par le président de la République actuelle que vous connaissez et peu après son adoption par référendum le 25 octobre 2015. Je mets un point important ici, c'est que l'opposition conteste même cette constitution car selon elle, cette opposition, cette constitution permet de contourner la limitation à deux du nombre de mandats. Donc, voici un élément, un document fondamental qui doit régir les règles d'un pays et qui est déjà contesté par les acteurs majeurs de la politique. En règle générale, quel que soit son contenu et sa présentation, le cas par exemple des États-Unis où c'est un texte unique, le Royaume-Uni c'est connu, ils n'ont pas de constitution écrite, c'est plus les coutumes qui prévalent, mais quel que soit le contenu et la présentation, la Constitution est considérée comme la règle la plus élevée de l'ordre juridique de chaque État. Donc c'est pour cela que malgré tout, je vais me fier à la Constitution de 2015 qui est aujourd'hui en vigueur au Congo. Titre premier de l'État et de la souveraineté. Article premier, voici comment le Congo se définit dans cette Constitution. La République du Congo est un État de droit. État de droit souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. Sa capitale est Brazzaville. Ça, c'est la constitution de 2015. Le lien est là pour ceux qui voudraient la consulter. Dans cette constitution, on voit une chose, c'est que la dimension humaine n'y est pas. Qu'en est-il de la population? Qu'en est-il du ou des peuples? Voici un cas typique d'une constitution qui démarre, on pourrait presque dire, avec des lacunes. Il y a même des mots qui peuvent être débattus. État de droit, si on entre là-dedans, est-ce le cas? À titre illustratif, puisque je vous ai dit qu'un des pays qui applique, hein, qui reflète le mieux les principes de la fédéralitude dans le monde, c'est la Suisse. À titre illustratif, je vous mets en parallèle ce que dit la Constitution de la Suisse sur elle-même. Titre 1, comme tout à l'heure, le Congo, hein, vous avez vu, titre 1er, ici. Titre 1er, là, article 1er. On vient chez les Suisses, titre 1, disposition générale, article 1, Confédération Suisse. Ça c'est le titre, maintenant entrons dans le texte. L'article commence ainsi, le peuple suisse et les cantons de, on les cite tous, Zurich, Berne, Lucerne, etc., il y en a 26, forment la Confédération Suisse. Donc là vous voyez qu'on a mis en valeur la notion humaine, le peuple, et les entités territoriales qui constituent la charnière, les bases de ce pays. Ils sont tous cités là. Donc, la première chose, c'est que les documents fondamentaux qui régissent nos États doivent être revus de fond en comble. Et qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque, si on compare les formes d'État suisse et
et Congo, hein, Congo-Brazzaville, vous allez voir qu'ici, hein, la République du Congo vous a dit que c'était un État unitaire et indivisible, laïque, démocratique, etc. Bien. Dans un État fédéral, on tient compte des peuples, des cultures de ces peuples et des territoires qui constituent ce pays. Dans un État unitaire, on va dans des concepts abstraits, unitaires, indivisibles, décentralisés, laïques et démocratiques, etc. Voilà une première remarque que je voulais faire avant d'entrer à fond dans le sujet. Donc, chapitre 4, explication concrète des principes. Pas de théorie ce soir, ça va être des choses plus imagées, plus concrètes. Donc, vous avez vu dans la constitution du Congo, hein, il était marqué État unitaire. Et on posait la question dans la salle, qu'est-ce que c'est qu'un État unitaire? Vous allez vous rendre compte que les gens ne savent même pas ce que c'est. Or, quelque part, dans la constitution, vous voyez, on met ici, sa capitale est Brazzaville. Et si on recule plus en arrière, hein, vous avez vu toutes les ethnies, voilà, ici, ça c'est une étude faite par l'Université de Laval au Canada. Hein, voici toutes les ethnies, il y en a au moins 50 ici qui sont recensées, avec le nom de l'ethnie, sa population, son pourcentage et la langue d'affiliation. Et dans la Constitution, on n'en a pas parlé, la Constitution congolaise. Donc, un État unitaire, je vais vous le définir, puisqu'il est dit là-bas, sa capitale est Brazzaville, c'est un État dans lequel il n'y a qu'un seul point d'impulsion de la loi. La loi ne quitte que d'un seul endroit, de Brazzaville, c'est-à-dire là où se trouvent les institutions, l'exécutif, donc le président, et puis le Parlement. Est-ce que vous me suivez? Dans le fédéralisme, la loi ne provient plus d'un seul point d'impulsion, mais de plusieurs points qui interagissent entre eux selon les règles de l'intelligence collective. C'est très, très important. Dans un cadre, on valorise l'intelligence d'un homme sur les autres. Le Congo a plus de 5 millions. C'est l'intelligence d'un homme qui va primer. Dans le fédéralisme, c'est l'intelligence collective. Vous voyez ce mot ici, l'intelligence collective, si vous voyez ma souris. Par le principe de subsidiarité, hein, à partir du moment où on dit c'est l'intelligence collective, on tombe dans le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les décisions, la pensée ne vient plus du sommet, mais elle vient de la base. C'est une logique base vers sommet. Et cela permettrait dans nos pays de traiter la fatalité du diktat d'un État central, c'est-à-dire par exemple de la capitale, ou d'un homme qui imposerait sa loi par la force du sommet vers la base. Vous comprenez? Ce sont donc deux logiques différentes. C'est pour cela que beaucoup de gens, parce qu'ils ne comprennent pas le fédéralisme, se mettent à avoir peur. Ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Mais en réalité, si on entre dans le fond, c'est le modèle qui convient le mieux à des sociétés qui ont les multiculturalités linguistiques, ethniques comme les nôtres. C'est un modèle qui part de la base, c'est un modèle d'intelligence collective, et de la base, petit à petit, on va se retrouver tous au sommet. Donc, cela s'appelle la subsidiarité. Concrètement, si on regarde ici la Suisse, hein, que je vous ai dit que c'est le pays où ces principes de la fédéralitude ont le plus donné leur preuve, les territoires que vous voyez ici, c'est vraiment des territoires linguistiques. Chez nous, ça pourrait être comme des cartographies de grands groupes ethniques. Okay? Vous avez là les Français ou les francophones, les Allemands ou les Alémaniques, 64%, les Français 23%. Les italophones, 8%. Vous avez même là des petits territoires là, occupés par des minorités, les Romanches, qui ne représentent que 0,5% de la population. Et pourtant, 0,5%, ils étaient en 1291, quand est née la Suisse, ils sont toujours aujourd'hui 0,5% en 2018. On ne les a pas fait disparaître, ils n'ont pas été décimés. Pourquoi? Parce que
le fédéralisme permet de préserver la diversité linguistique, culturelle, ethnique de chaque territoire. Ça, c'était pour vous parler de cet aspect de la diversité. Mon PowerPoint, là, il n'avance plus. Oula. Bien. Voilà. Donc, qu'a fait la Suisse? La Suisse est un État fédéral qui prend en compte toutes ces entités ethniques, on pourrait dire chez nous ethniques, mais eux ils disent linguistiques, à travers des cantons. Ils n'ont pas créé des groupes. Hein, vous avez vu là, il y a quatre grands groupes linguistiques. Les Français, les Alémaniques, les Romanches, les Italiens. En plus, aujourd'hui, les immigrés de toutes langues s'installent un peu partout. Les Suisses n'ont pas créé quatre grands États. L'État francophone, l'État alémanique, l'État romanche, l'État italien. Parce que si on avait été dans ce schéma, oui, là, le fédéralisme peut devenir dangereux. C'est ce qui s'était passé en Yougoslavie. Parce que le groupe le plus important, les Alémaniques, vont vouloir s'imposer sur les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va diviser le pays, c'est ça que vous voyez là, c'est des cantons. Les cantons, c'est l'équivalent, il y en a 26, c'est l'équivalent des départements chez nous, au Gabon, au Congo, enfin dans tous les pays francophones qui ont copié leur modèle d'organisation sur la France. Donc, pour eux, l'entité politique de base n'est pas l'ethnie, c'est le... Mais il y a une chose qui caractérise les cantons, c'est que si on le superpose à la cartographie là, des langues, et on retrouve dans chaque canton quand même une certaine homogénéité culturelle. Parce que quand il y a l'homogénéité, il y a un peu un vivre ensemble qui est beaucoup plus facile. Il y a une conservation des cultures qui se fait facilement et des valeurs aussi. Et puis après, à partir du moment où, malgré tout, on défocalise le débat de l'ethnie, on le transpose au niveau de la notion de canton, donc de territoire, ce qui se passe, c'est que l'enjeu n'est plus de dire « moi je suis de telle ethnie, moi je suis de telle autre ». L'enjeu devient de dire « moi j'ai la responsabilité de développer mon canton ». Voici ce qui caractérise un État comme la Suisse. On conserve les cultures, on crée des échelles, des petites échelles qu'on pourrait appeler des micro-États, des micro-républiques à l'intérieur, qui ont toutes leur constitution, leur gouvernement et leur pouvoir exécutif. Mais la Suisse applique quelque chose d'autre, qui est très original et qui entre dans le cadre de ce que nous avons aujourd'hui. Les 26 cantons, vous avez à peu près 2255 communes, c'est le chiffre en 2016, oui. Et c'est un chiffre qui évolue parce que les communes peuvent s'associer, se regrouper lorsque certaines sont dépeuplées ou moins efficaces économiquement. Voilà. Donc, la deuxième notion de la fédéralitude, c'est celle-ci, c'est la gouvernance collégiale et la présidence. Là aussi, je ne vais pas faire de grands développements théoriques, je vais vous montrer des cas concrets. En Suisse, c'est une culture qui est transmise à tous les échelons de l'État, au niveau de la commune, au niveau du canton et au niveau de l'État fédéral. Je vais vous montrer quelques cas concrets. Mais encore là, je tiens à vous signaler quelque chose qui pourrait vous échapper. Vous avez vu là, ce slide montre les communes, il y en a 2255, les cantons, il y en a 26, et après on arrive à l'État fédéral, hein, dans lequel il y a toutes ces entités linguistiques. Si vous allez voir le cas de la constitution congolaise, je l'ai vu quelque part, vous allez être surpris par le nombre de distinctions qui sont faites sur le plan territorial, au point que vous-même, vous vous perdrez entre les départements, les districts, les sous-préfectures. Il y a plein de choses qui finissent en fait par créer une embrouille,
une confusion dans la population. La Suisse a encore une fois simplifié les choses. On a un État commun qu'on appelle la Confédération ou l'État fédéral. Ensuite, on a des micro-États qu'on appelle les cantons et directement on entre dans les communes. Les communes peuvent être rurales, ce qui est l'équivalent chez nous des villages ou des villes. Et là, dans ce cas, c'est les communes urbaines. C'est des éléments que j'essaie comme ça de vous montrer ce soir. Donc, je vous disais que la gouvernance et la présidence tournante sont toute une culture en Suisse. Voici, par exemple, je prends la commune de Vernier, où je passe souvent par moment des vacances, comme l'année dernière, à peu près 5 semaines. Vous allez voir ici, dans cette commune, je vous ai montré là, il y a deux choses. Vous avez le conseil municipal qui a 37 conseillers élus au système proportionnel. C'est pour cela, du fait que c'est au système proportionnel, vous voyez là, regardez ici, hein, vous avez par exemple 4 PLR libéraux, vous avez 11 du parti MCG, vous avez 4 du PS, le parti socialiste, vous avez 3 ADC, 4 des Verts, un indépendant, vous voyez, c'est un indépendant. D'ailleurs, c'est une femme, c'est la présidente du conseil municipal. Vous avez là, dans ce camembert, la diversité et les pourcentages des différents partis. Au niveau, pourquoi? Parce qu'on est dans un système proportionnel. Si, pour ceux qui connaissent comment se passent les élections municipales en France, et nous payons copier ce qui se passe en France, vous trouvez rarement, dans une commune, plus de 4 colorations politiques. C'est toujours 2 ou 1 ou 3, maximum 3. Vous pouvez le vérifier, je peux vous l'expliquer pour que vous compreniez comment ça se passe en France. En fait, il n'y a pas dans un État unitaire la possibilité même de représenter la diversité politique. Or là, voici une commune, comment elle est gérée. Vous avez un conseil municipal qui est donc l'émanation de toute la diversité politique de la population. Et puis, vous avez le conseil administratif, qui lui serait chez nous, en fait, dans nos mairies, l'exécutif. En Suisse, l'exécutif, je prends toujours le cas de la commune de Vernier, vous voyez, là, il y a 3 conseillers administratifs élus au système majoritaire. Et à travers leur mode d'élection, on arrive encore une fois à la diversité, hein, ils sont 3, à la diversité au niveau de l'exécutif. En l'occurrence, vous avez un libéral, vous avez un écolo et vous avez un écologie des Verts, un libéral et vous avez un du Parti Socialiste. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très important, hein, puisque le titre dans lequel nous sommes en ce moment, c'est la gouvernance collégiale. C'est que chaque année, hein, ces 3 maires, ils sont élus, ces 3 personnes de l'exécutif, ils sont élus pour 5 ans. Et chaque année, au mois de juin, au 1er juin, ils vont tourner. Ils vont tourner. Chaque année, dans les communes suisses, eh bien, le maire, hein, qui appartient à un collège, eh bien, il tourne. Donc, ils sont 3 chaque année, ils tournent. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, la décision d'un homme n'a pas plus d'importance que la décision du collège. Ce qui compte, c'est le collège. Mais pourquoi on va désigner un maire pendant une année? Parce que c'est lui qui va juste faire le rôle, il va juste faire un rôle d'animation des réunions du conseil administratif, donc de l'exécutif. Il va être un symbole qui va être présenté à la population, vous comprenez? Donc ce n'est pas lui qui décide, c'est le collège qui prend les décisions, mais lui il est représentant du collège. Ça, c'était au niveau de la commune. Si on prend le canton de Genève, hein, il y a le canton de Genève, dedans, Vernier, la ville de Vernier appartient au canton de Genève, vous allez retrouver la même chose. Vous avez le Grand Conseil, c'est un peu comme le Parlement, qui a 100 députés, élus au système proportionnel, comme tout à l'heure là-bas, dans la commune, et le Conseil d'État qui se compose de 7 membres élus selon le système majoritaire. Ça, c'est le cas typique d'un canton, et il y en a 26. On va entrer, pour accélérer un peu l'exposé,
Là, le slide, il n'avance pas. Voilà, il est avancé. On va entrer au niveau fédéral, hein, gouvernement collégial à présidence tournante. Comment, puisque je vous ai montré ce qui se passe dans les communes, ce qui se passe au niveau des cantons, comment est-ce que la Suisse est dirigée aujourd'hui? Je vous ai dit que la FEDUD parle d'un gouvernement directorial, un régime directorial. Vous ne trouverez pas cette notion dans le monde. Tous les pays sont soit des régimes présidentiels ou des régimes parlementaires. Les Suisses, c'est les seuls qui sont dirigés par un directoire. Et la notion de directoire, pour ceux qui sont dans les entreprises, savent que les entreprises ont souvent la notion de directoire. Eux, c'est le seul pays au monde qui pratique le directoire. Donc, comment est-ce qu'ils élisent leur exécutif? Donc, vous voyez ici les électeurs suisses, ils vont élire la Chambre basse, le Conseil national. Chez nous, c'est les députés, l'Assemblée nationale. Leur mandat là-bas est de 4 ans. Et dans les cantons, donc puisque les cantons, il y en a 26, ils sont tous égaux. Chaque canton, quelle que soit sa taille, aura 2 sénateurs. Au total, ils ont, il y a 46 sénateurs. Ok? Pourquoi le chiffre 46? Il y a un petit détail, parce qu'il y a 3 communes qui sont en réalité, enfin, 3 cantons qui sont en réalité des demi-cantons, parce que ils se sont divisés après qu'on ait adopté le chiffre de 46. Donc, quand vous avez les sénateurs et les députés qui sont élus, ce sont ces gens-là, les sénateurs et les députés, qui ont déjà une légitimité dans leur canton. Ils sont élus dans leur canton, ils sont élus dans leur commune. Ce sont eux qui vont choisir les 7 membres du gouvernement, qu'on appelle simplement pas des ministres, c'est l'équivalent des ministres, on les appelle des conseillers. Mais les 7 membres du gouvernement, ce sont des ministres chez nous. Et en même temps, le Parlement va aussi élire le tribunal fédéral. C'est aussi une spécificité en Suisse. C'est le Parlement, donc, qui est l'émanation des communes, des cantons. C'est le Parlement qui va élire l'exécutif, hein, les 7 membres du gouvernement, et qui va élire aussi les membres, les hauts magistrats, par exemple ceux du tribunal fédéral. Ils vont aussi élire le chancelier de la Confédération, hein, à droite là. Donc, vous avez le corps électoral en bas en jaune, le pouvoir législatif qui est mis en bleu, et vous avez le pouvoir exécutif là en orange, hein, c'est ceux-là, les 7 ministres, et le pouvoir judiciaire en vert ici. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on choisit 7 ministres comme membres du gouvernement? Le même Parlement, hein, ils ont un mandat de 4 ans, le même Parlement va dire, pour cette année, par exemple pour l'année 2018, nous allons choisir parmi vous, il y en a un qui va assurer le rôle de président. Il ne décidera jamais seul, mais c'est lui qui va animer les réunions, c'est lui qui va prononcer le discours de fin d'année, c'est lui qui va représenter la Suisse à l'international, parce que les 7 ne vont pas voyager, etc. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle un directoire, c'est un collège, c'est le conseil des sages. Et ce directoire-là de 7 membres est toujours choisi de manière à ce que toutes les langues, il faut qu'il y ait des alémaniques, les italiens, les romanches et les francophones dans le groupe des 7. Le but, c'est toujours ne pas exclure les autres, les représenter. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Donc, c'était pour vous parler de cette notion de gouvernance collégiale à présidence, enfin, gouvernement collégial à présidence tournante. C'est une culture dans les communes, dans les cantons et au niveau fédéral. La Suisse est un État moderne, un vrai État de droit dans lequel les 3 pouvoirs sont séparés, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Je vous ai dit que même, hein, vous voyez là ce qui se passe, l'enveloppe que vous voyez ici, même les hauts magistrats sont élus par les députés et les sénateurs. Ils sont choisis sur critères, ils montrent leur diplôme, on vérifie, on les check, on voit quelle est leur réputation dans leur commune, leur réputation au niveau cantonal, du canton. On ne confie pas les hautes responsabilités, gens tout simplement parce que c'est des amis d'un président. Voici ce que nous appelons la gouvernance collégiale et la présidence tournante. Vous voyez là, hein, donc vous avez ici les 7
membres du Conseil fédéral à la gauche là, ok, 4, hein. Et puis vous avez souvent, donc ils sont 7 membres du gouvernement et le chancelier. Le chancelier n'est pas un ministre, n'est pas un membre du gouvernement. C'est l'état-major, c'est la partie qui sert à faire, en quelque sorte, toute la partie administrative, la grosse partie administrative du gouvernement. Bien. J'espère que vous avez compris ces notions de fédéralisme, de gouvernance collégiale à présidence tournante. Le quatrième pilier de la fédéralitude, c'est la démocratie directe et participative. Qu'est-ce que ça comporte? Je vous ai parlé au tout début de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que les choses partent toujours du bas et montent. Donc, pour être député ou sénateur, vous devez être élu dans votre canton, donc par les populations qui vivent dans les communes de ce canton. Pour être ministre, vous devez donc appartenir au Parlement, ce qui fait que, en fait, en réalité, les choses sont parties de la base vers le sommet. La démocratie directe et participative aussi, c'est encore une culture démocratique. Hein. Si on repartait à la définition du Congo, là, de la République du Congo, on vous a dit que c'était un État démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Eh bien, c'est la Suisse, pas aux États-Unis, pas en France, le seul pays qui applique ce principe. Comment il applique? En général, dans nos pays, que ce soit en France ou dans les pays africains, c'est soit les membres du gouvernement ou les députés qui vont adopter les lois. En Suisse, non. La modification, par exemple, de la Constitution, je prends le cas de la Constitution de 2015, je suis entré dans la Constitution du Congo, il est dit que le référendum vient du président, c'est l'initiative du président. En Suisse, non. Il est inscrit que pour modifier la Constitution, le peuple doit être consulté. Référendum obligatoire, c'est la première notion. On ne peut pas toucher à la Constitution de la Fédération, à la Constitution du canton ou aux textes principaux d'une commune sans référendum obligatoire. Deuxième niveau, les référendums facultatifs. Si on veut adopter une loi, le Parlement peut adopter la loi. Le gouvernement peut proposer une loi qui sera adoptée à la fin par le Parlement. Si le peuple ne trouve pas d'inconvénient, donc le référendum est facultatif, la loi a été adoptée par le Parlement, eh bien la loi entre en vigueur. Mais si le peuple y trouve un inconvénient, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où on parle de référendum facultatif. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un n'est pas d'accord, hein, c'est facultatif, c'est pas obligatoire, alors on va passer à un référendum. Mais c'est pas une seule personne. Si M. Covalin ou M. Longhi et José Baird et le frère qui est avec moi à la conférence, supposons, on n'était pas d'accord avec les lois qui sont adoptées au Congo, qu'est-ce qu'on ferait? On allait faire une pétition. Et à partir du moment où cette pétition atteint, par exemple, dans le cas de la Suisse, 50 000 personnes, hein, il y a 50 000 signatures, ou 100 000 quand c'est la modification de la Constitution, eh bien, on amène les 100 000 signatures à la chancellerie, elle vérifie les identités de toutes les personnes qui l'ont signé, disent, il y a 100 000 ou il y a 50 000 personnes qui ne sont pas d'accord avec le référendum, la telle loi adoptée. Eh bien, nous devons consulter toute la nation. Et là, le peuple est consulté en référendum, mais souvent, ce qui peut se passer, c'est que ceux qui ont eu l'initiative de la loi vont être obligés de faire de la pédagogie. Pourquoi on a adopté ces lois? Pourquoi on a pris cet article, etc. Et tout le débat national qui va s'en trouver créé va amener le peuple soit à accepter ou à demander des modifications de certaines parties. Une autre spécificité, hein, dans la démocratie directe et participative, c'est ce que vous voyez ici, les initiatives populaires. Dans populaire, il y a le peuple. Initiative, c'est que celui qui démarre la chose, celui qui est à l'origine. En Suisse, c'est le peuple, à tout moment, peut décider que, mais nous avons élu des députés, soit au niveau, hein, les membres du conseil municipal, au niveau des communes, ou les membres du
conseil du Parlement cantonal, donc les députés cantonaux, ou alors les députés fédéraux ne font pas leur affaire. Ils n'adoptent pas les lois que le peuple veut adopter. L'initiative populaire permet à M. Kovalet, M. José par exemple, de dire « Bon, nous allons être à l'initiative d'une loi, on va consulter les citoyens. Si on arrive à tant de signatures, on amène à la chancellerie en disant ben, « Nous sommes tant de personnes et nous avons concocté une loi, voici le nombre de signataires de cette loi et on va la soumettre aux différents parlements. » Est-ce que vous comprenez? C'est ça la démocratie, par le peuple, pour le peuple. Je passe j'arrête là pour ne pas que la conférence dure trop. C'est des notions pratiques comme ça que j'essaie de vous donner, la démocratie directe et participative. Le quatrième pilier de la fédéralitude, c'est l'armée de réservistes. En Suisse, vous allez être surpris, toujours la même chose, hein, la subsidiarité, c'est-à-dire les choses de la base. L'armée de métier a un effectif qui représente 5% de l'effectif militaire global et l'armée des réservistes, donc les militaires réservistes, représentent 95% de tout l'effectif militaire. Les Suisses, vous ne le savez pas, il n'y a pas un taux de criminalité, d'homicide comme on le voit par exemple aux États-Unis, mais ils ont tous des armes chez eux. La différence est laquelle? C'est que ils vont faire un service militaire progressif de l'âge de 18 ans à l'âge de 30 ans. Au début, à 18 ans, ils vont faire 3 mois et puis chaque année, ils vont faire un rappel d'une année. Au cours de ces services militaires, on va leur rappeler les principes de paix, parce que la Suisse est un pays qui revendique son côté pacifique, et de neutralité, c'est-à-dire ne pas trop se mêler des histoires avec les voisins, ne pas trop, même dans votre commune, dans vos cantons, etc. Quelqu'un qui est neutre, c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Par exemple, je vous prends un exemple, c'est une tautologie, je vous prends un exemple. Vous vous rappelez qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un conflit grave entre les Allemands d'Adolf Hitler et le peuple français de France. C'était deux peuples qui s'affrontaient, le peuple français et le peuple allemand. En Suisse, les Alémaniques, vous avez vu les chiffres au début, représentent 63%, donc les Allemands sont plus nombreux. Mais comme ils ont une éducation, et les francophones, ils sont 23%, comme ils ont une éducation de paix et de neutralité, ils se sont dit, dans mon pays, la Suisse, il y a les Alémaniques, les Allemands, il y a des francophones, de souche donc française, mais nous n'allons pas nous taper dessus, nous n'allons pas nous faire la guerre parce que les autres le font à côté. Voilà pourquoi il faut donner les bonnes valeurs à l'être humain. Défense. Ça, c'est le côté armé de réservistes. Durant tous ces services militaires de 18 ans à 30 ans, le fait d'aller tous les mois, enfin chaque année on fait un mois, ça permet de voir que, tiens, ce monsieur par exemple n'est pas très équilibré, ou c'est quelqu'un de colérique, ou c'est quelqu'un d'impulsif, on va lui enlever l'arme et on va l'enlever de la liste des militaires réservistes. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est un processus d'éducation. Et il faut noter aussi que l'armée est un facteur de cohésion qui permet aux gens des différentes communes, des différents cantons, des différentes langues d'avoir un creuset commun. Ça ne dure qu'un mois. Et c'est considéré comme une formation continue chez eux. Vous devez prendre un mois pour le faire. Au passage, pour les femmes, c'est pas obligatoire, hein, mais les femmes, elles le font, celles qui veulent, puisque les femmes ont d'autres contraintes, la grossesse et autres. Mais c'est pas obligatoire pour les femmes. Pour les garçons, les hommes, c'est obligatoire à condition de pas être, de pas avoir de troubles psychiatriques ou psychologiques. Bien, je vais terminer la conférence par le fait que les quatre principes de la fédéralitude peuvent être étendus encore à plusieurs autres sujets. On a vu la problématique de l'armée. On peut voir aussi la problématique de la nationalité. Tiens, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de dire là dans cette armée. Vous avez armée de métier et armée de réservistes. En Suisse, le principe c'est que l'armée de métier protège la Suisse aux frontières et le peuple, donc les militaires réservistes, protège la Suisse à l'intérieur de la Suisse s'il y a attaque. Vous comprenez? Or, ce qu'on voit dans nos pays, c'est que les militaires, ils protègent on ne sait qui contre encore les populations. Vous m'avez compris.
La nationalité, puisqu'on parle de subsidiarité, je vais juste faire un crochet que la subsidiarité, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un mouvement down, c'est-à-dire toujours du bas vers le haut. Les décisions ne viennent pas du haut pour tomber vers le peuple, elles quittent du peuple pour aller vers le sommet. En Suisse, si vous voulez devenir Suisse, c'est votre commune qui va vous accorder la citoyenneté de la commune, la citoyenneté municipale. Donc, si vous êtes dans une commune romanche, ben, vous devrez montrer que vous êtes intégré, que vous vous intéressez, que vous êtes un homme qui est pacifique, qui s'intéresse à ses voisins, qui est gentil avec ses voisins, qui parle la langue romanche. Si vous êtes chez les Allemands, que vous parlez l'allemand. Ce sont eux qui vont vous donner la citoyenneté. Une fois que vous avez la citoyenneté municipale, vous pourrez prétendre maintenant, après enquête, etc., démarche à la citoyenneté du canton, et ce n'est qu'après que la fédération vous donnera le passeport final. Le système fiscal, je crois que David va en parler, c'est aussi un autre avantage du fédéralisme. Quand dans un pays, vous avez aujourd'hui quasiment toutes les populations au Congo vivent à Brazzaville ou à Pointe-Noire, et pourtant, on vous dit que c'est la capitale à Brazzaville. Ces deux capitales, surtout Brazzaville, est-ce que ce sont eux qui produisent le pétrole, le maïs du pays, le manioc, etc.? Mais ce sont eux qui pompent toute la richesse. Et quand vous allez dans l'arrière-pays, c'est la pauvreté. Donc, dans le modèle suisse, le modèle fédéral qui reste les localités, puisque dans chaque canton, il y a un parlement, une constitution, eh bien, ce parlement peut adopter une fiscalité différente. Il n'y a pas une seule fiscalité pour tout le pays. Donc, les territoires qui sont dans les montagnes où il n'y a que les vaches, il fait froid, il neige, etc., qu'est-ce qu'elles font? Elles vont réduire la fiscalité, soit des entreprises, soit la fiscalité sur les personnes physiques, donc les impôts sur les personnes physiques, soit carrément les deux, pour devenir plus attractives. Par exemple, Genève pratique une fiscalité des entreprises de l'ordre de 30%. Mais il y a des cantons où vous allez trouver, dans le Grison et autres, des fiscalités qui vont jusqu'à 3 à 5% des sociétés. C'est des éléments attractifs qui permettent aux entreprises de venir s'implanter, aux gens qui ont l'argent de venir s'implanter pour produire la richesse. Le dernier élément, et ça va être le tout dernier, c'est le système électoral. Dans ce pays, on vous a dit la fédéralité, c'est vraiment un mouvement de pensée humaniste. Quand vous votez en France, par exemple, et c'est la même chose aux élections municipales dans nos pays africains, on vous impose les listes. Voilà, c'est tel. D'ailleurs, c'est le parti d'ailleurs qui choisit qui va se présenter dans telle commune ou dans tel département. Eh bien, quand vous arrivez en tant qu'électeur, vous venez voter, les listes sont déjà faites. Vous vous retrouvez par moment avec des listes où il y a 10 candidats, et les 10 candidats, c'est des gens que vous estimez ne pas mériter votre confiance, ne pas être représentatif de votre moralité, de vos valeurs, de vos coutumes, etc. Dans le modèle suisse, ces situations ne peuvent pas arriver. C'est pourquoi en Suisse, les politiciens font leur travail et la compétition elle se fait dans le business. Pourquoi? Parce que vous voyez là, quand un électeur arrive, que ce soit pour voter à l'échelle nationale, cantonale ou communale, c'est les mêmes règles. Mais je vous le montre par des petites illustrations. Le candidat, c'est vous. Vous arrivez pour voter. Vous dites, première option, je choisis la liste d'un parti sans la modifier. C'est le cas ici. Vous voyez? Liste parti A, par exemple, parti écologiste, liste numéro autant. Okay. Vous avez les membres de la liste qui sont là, les candidats. Vous votez la liste. C'est le cas qu'on a souvent en France. C'est le cas qu'on a au Congo. Vous n'avez pas le. Nous, on n'a pas le choix. Mais eux, ils ont le choix. Deuxième solution, il dit, mais c'est bizarre, dans cette liste, il y a des gens qui ne me plaisent pas. C'est des voleurs, c'est des gens qui ont fait la prison, ils sont pas sérieux. Donc, deuxième possibilité, il prend la même liste, hein, liste parti A, numéro 1, il modifie lui-même la liste du parti. Il efface ici, vous voyez, il a barré, il a biffé le numéro 5, il a biffé le numéro 7. Ici, vous voyez, on a mis nom et prénom, il va rajouter deux personnes qu'il estime, lui, mériter sa confiance dans cette liste. Ça, c'est une innovation, c'est quelque chose. Nous, on pense qu'on doit voter toujours par les listes. Non. On va plus loin. Donc, ça, c'est la solution 1, la solution 2.
La solution, toujours dans le système électoral, c'est ça le pouvoir du peuple par le peuple. Troisième solution, vous en tant qu'électeur, vous dites, ces gens-là, je ne vais même pas bouffer parce que tous ils ne me plaisent pas. Je choisis une liste neutre. Vous voyez, c'est un papier neutre, là, blanc, que vous voyez là. Premièrement, j'inscris le nom d'un parti en haut de la liste, vous voyez, parti A. Ou deuxièmement, vous dites, j'inscris uniquement les noms des candidats sans mentionner le nom d'un parti, ici. Donc vous avez la liberté de décider sur votre avenir, chose qu'on n'a pas en Afrique. Voilà, c'est des éléments simples comme ça que je voulais vous montrer terminer. Je vous remercie pour l'écoute. J'en ai fini. Vous pouvez reprendre la main, modérateur. Je vais faire un tour de table avec tous les intervenants et les conférenciers pour pouvoir dire un dernier mot. Je veux commencer donc par José. Je passe la parole. David, merci pour l'organisation de cette conférence. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'avenir des pays africains. En l'occurrence, aujourd'hui, nous parlions de l'état du Congo Brazzaville. Je pense que je n'ai pas tout détaillé. Par exemple, tout à l'heure, en écoutant mon ami Kovalin, il m'a fait penser que je ne vous ai pas dit, par exemple, que en Suisse, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Comment ils font? Dans le gouvernement, ben, parmi les sept, il y a tous les partis qui sont représentés. Sur quels critères? Ils disent simplement, les quatre premiers partis qui arrivent en tête aux législatives, ils auront chacun deux ministres, et le dernier aura un ministre. Ça fait sept. D'accord? Ça fait que si on l'avait appliqué ce cas à la France, là, au cours des dernières élections, vous avez vu hein, comment ça s'est passé, ben, le président actuel, Macron, aurait eu deux représentants au gouvernement. François Fillon aurait eu deux ministres. Marine Le Pen aurait eu deux ministres. Et Jean-Luc Mélenchon aurait eu un. Ça aurait fait sept. Cette logique inclusive amène à préserver même les petits partis. Parce que dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les partis dominants qui écrasent tout le monde, qui prennent tout, l'Assemblée nationale et autres en otage, et les autres ne sont plus représentés. Dans un système comme celui que je suis en train de vous décrire, eh bien, les gens ils apprennent à parler, ils apprennent à partager leurs opinions, ils apprennent à avoir une vision qui transcende leur particularisme pour aller vers celle de l'intérêt général. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Je vous invite à regarder les vidéos, lire les choses que nous avons déjà écrites sur la fédéralitude. Mais si on n'a pas les connaissances minimum, on ne peut pas soigner nos pays. Nous devons faire l'effort d'apprendre, d'acquérir les compétences et les connaissances pour que nous ayons un débat constructif pour nos pays. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Greg qui a parlé du président actuel du Congo. Et à travers son intervention, on voit où peut mener le système de l'homme providentiel. Chaque fois que la multitude élève une personne, il y a toujours le risque que la personne que vous avez élevée finissent par écraser la multitude. Allons vers l'intelligence collective. Et si vous regardez même les vidéos sur l'intelligence collective, vous lisez des livres sur l'intelligence collective, vous allez comprendre que c'est l'avenir. Nous sommes obligés d'y aller parce que les nouvelles générations avec les nouvelles technologies n'ont plus la conception verticale pyramidale du pouvoir. Ceux qui travaillent dans les entreprises, vous verrez que les jeunes ingénieurs qui arrivent, mais ils en savent autant ou plus que le gars qui est directeur depuis 20 ans dans son entreprise. Et ils ne viennent pas là pour subir ses ordres, écouter ce que lui a à dire. Ils sont là pour dire, voici comment nous pouvons avancer ensemble. Donc, merci David, merci aux autres intervenants. Ce type d'événement, on peut le multiplier pour
vraiment accroître le niveau de connaissance de nos compatriotes. Petit à petit, on ne sait pas où ça. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée et j'en ai fini.